Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DBZ Dokkan Battle. Alors aujourd'hui on va aller tester le Selpui 100% qui vient d'avoir son ZTUR. Il est ici, donc le beau gosse il est là. Alors les ZTUR c'est des persos qui peuvent aller jusqu'au level 140 et qui peuvent aller jusqu'à SP15, donc à la place de SP10. C'est des persos qui sont déjà sortis il y a un moment, donc on peut devenir avec la DS rouge. Donc la paire rouge, et ici c'est le 7 du coup. Ça change tout, le multiplicateur change beaucoup vu que vous avez 5 levels de SP en plus, donc on peut aller jusqu'à SP15. Et on a des arbres de rang S sur la plupart de ces persos. Du coup c'est assez vénère l'augmentation stat, on a du 19 000, on a du 19 000 en HP, du 18 567 en attaque et du 14 443 en défense. Alors avant de commencer les deux, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Alors voilà, je me crée ça. Et un mec a un jeu, imagine, il y en a quelques-uns, j'ai vu sur les dernières vidéos, ils sont un serveur privé. Eh gros, il n'y a pas de serveur privé. Vous voyez là, on a bien le topo. Il a 20 en crit, il a 3 en attaque supplémentaire. Le reste n'est pas monté, j'ai pas tout monté dans l'arbre. Donc voilà, faut arrêter de bégayer, de raconter n'importe quoi les gars. Vous avez la preuve ici que c'est pas un serveur privé. Du coup, on est passé à 15% sur son passif en attaque et en défense, si je me trompe pas. Au niveau du leader, qui plus 3 HP, attaque et défense, plus 70% pour les types tech. Donc il a un leader, le même leader que Goten CCJ3. Et alors, très important, sur sa SP maintenant, il inflige des dégâts immenses. Et il fait récupérer 10% des HP. Il fait récupérer 10% d'HP, c'est un truc de malade. Et ça manque beaucoup de régène et de tanking dans cette team. Donc voilà, il y a la régène avec Black Goku aussi. Et l'air, parce que voilà, la Extreme Tech, vous perdez beaucoup de PV à cause de Broly. Et du coup, on va aller tester ça en super de tout de suite. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, frérot, pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en vois, il y en a beaucoup qui sont pas abonnés là. Je sais pas ce que vous attendez. N'hésitez pas, hein, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça coûte rien et ça permet de savoir quand je sors une vidéo, tout simplement. Alors, pour la team, on est parti sur du double Golden Freezer Ange Int. Du coup, on a du 170% de boost en attaque et en défense. On est parti, bah, bien sûr, sur le Celtic 100%. Le Kid Buu, alors, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand on utilise beaucoup de support. Du coup, je vous invite à aller voir le live de Kowai où il fait ça sans support, tout simplement, sur sa chaîne YouTube ou la chaîne de Dokkan Essential, du coup. Où il fait des calculs et là vous avez les dégâts bruts sans support. Voilà. Ici moi j'aime bien tester avec des supports, surtout que le Kid Buu je l'utilise tout le temps dans la team guerrier ressuscité. Voilà. J'utilise tout le temps dans la team guerrier ressuscité personnellement. Il est vraiment excellent. On a un deuxième support. C'est moi en fait j'aime beaucoup jouer avec des supports même en team normal, que ce soit des tests 100% ou pas. Donc le deuxième c'est Piccolo Daimao. Troisième Wirus, alors pourquoi Wirus? Là c'est juste justement juste pour la démonstration. Wirus il va transformer deux types de ki. Du coup il va permettre de voir si un jour vous avez de la chance et par exemple vous avez 8, 9, 10 ki tech, combien il va faire, enfin tech ou pas d'ailleurs, parce que maintenant il knock peu importe le type de la boule de ki. Je sais plus si avant c'était comme ça. Et j'ai pris le sel, donc pas transformé, le sel première forme pour le lien Kamehameha et messager du futur, voilà. Pour qu'il ait tous ses liens d'actifs. Et donc, let's go. Ici. Allez, petite rune, charge vite. On commence par le Jubai, comme d'hab. J'ai sorti une vidéo pour les gens qui sont sur la globale. Donc, ça, c'est sur la Jap. Pour les gens qui sont sur la globale, j'ai sorti une vidéo ici. N'hésitez pas à aller check dans le bouton I là. C'est une vidéo sur le VGT CJ3 Tech. Le nouveau GT qui vient de sortir sa version globale. C'est une excellente unité, vraiment énorme unité. Du coup, premier tour, on a le Kid Buu. On va pouvoir partir en SP, ok. Cool. On va pouvoir partir en SP ici. Alors, la défense. Waouh. Ah oui, d'accord, on est à 171 000 de dé. Bon, je vais contrebalancer la chose. Il y a 50% de boost d'attaque et de défense avec le Kid Buu. Mais comme 170 000, même avec un support à 50%, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que je me prendrais moins de 5 de dégâts? Il y a une limite en fait avec le truc. Hein. Il y a une limite, il y a une certaine limite. 2005 de valeur d'attaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il est par champ. Oh, y a... Bon, on va essayer de réunir les deux selles. Du coup, bon, là on a le Wirus. Vous avez vu Wirus qui a transformé tous les ki. Mais moi ça m'arrange pas là parce que je voulais les garder pour le sel en fait.
c'est tellement dommage. Wyrus qui transforme beaucoup l'équipe. Bon, pas grave. Essayez d'en prendre le moins possible. Ah, attendez. Ah, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir regarder l'équipe pour le Sceptech. À savoir que dans la team Guerrier Cité, vous pouvez jouer le Badak Tech qui change l'équipe. Ou en Extreme Tech, vous pouvez jouer le Super C17 Tech qui est une excellente unité pour changer les keys aussi. Donc il y a moyen d'avoir vraiment pas mal de keys avec le sel. Hein. C'est pas faussé au niveau du test. Il y a vraiment moyen d'avoir pas mal de keys. Donc après, c'est vrai que ici on en a vraiment énormément. Mais non, franchement, c'est faisable. Alors ici on a un. Alors, bon, déjà sans prendre de keys, on a 95 000 de défense avec le support donc. Le support que je virerai au prochain tour quand le Sceptech arrivera et je ferai la rotation avec. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 11. 11. Sphère de qui? Et là, il tape sur le bon type. Alors, tout à l'heure, il a pas crit. Est-ce que là, il va crit? 2 millions 9 de valeur. Ah, j'y crois pas, eh, franchement. Ah, du 5. Prochain tour, il a tous ses lindes activés, c'est nickel. Prochain tour, il a tous ses lindes activés. Ici, on a le Wyrus qui a transformé les ki. Hop. Du coup, on va pouvoir avoir un maximum de ki prochain tour, c'est cool aussi. On va pouvoir avoir un maximum de ki. Au prochain tour, il aura tous les liens d'activés. Il aura donc tous les liens, en fait, c'est messager du futur 500 d'attaque. Mais bon, voilà, on active les liens quand même pour voir, pour test. Et messager du futur. Ah, on n'a pas Big Bad Boss 6 par contre. Ouais. Est-ce que et moins on active Big Bad Boss 6? Faudrait qu'on puisse activer Big Bad Boss 6. Donc 80% attaque et défense, ça serait pas mal. Ok, donc ici. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faire de qui? 3 millions. 3 000, qu'est-ce que je raconte, 400 000 presque de valeur d'attaque. Bon, du coup, le prochain, quand on va arriver après, on va voir le 3 millions 4 de valeur d'attaque. Oh, sans Big Bad Bosses, sans, bon, après, il y a le support à Kid Buu, mais encore une fois, le Kid Buu, il est largement utilisable dans, même, je vous conseille de le mettre, hein, moi, je le mets personnellement. Je vous conseille de le mettre, c'est une excellente unité. Bon, du coup, on va avoir les dégâts, là, sans le support. Ça va être drôle. Alors, est-ce qu'il va nous mettre une spé? Allez, mets-nous une spé. Vous voyez, à chaque fois que je veux qu'il spé, il spé pas. Incroyable. Incroyable Dokkan Battle. Bon, tuez-le pas quand même. Laissez-le attaquer, quoi. Spé. Ah, voilà, une petite spé. Alors, espérons qu'il t'inquiète pas trop. Plus 22 000. Je pensais prendre plus. Alors, est-ce qu'on a Big Bad Boss d'activer au prochain tour? Alors là, on n'a pas le Fierce Battle d'activer. Du coup, est-ce qu'on a Big Bad Boss d'activer? Attendez. Non, on n'a même pas Big Bad Boss d'activer. Il va partir en spell et il va nous régène, en fait. Bon, il va nous régène. Bon, là, on n'a même pas tous les liens d'actif. On a le Wyrus dans le tour. Du coup, là, il n'a pas de support. Il a 168 000 de défense. Après, il y a le changeur de ki. Hein. Il y a le changeur de ki ici. Bon, t'as deux. Non, mais franchement, il est ouf. Non, non, non. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Non, 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 non. Pour moi, c'est meilleur ZTUR. Meilleur ZTUR, le Sceptech. Non, 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 pour moi, c'est le meilleur. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas de discussion possible. Je suis désolé. D'ailleurs, pour les ZTUR fictifs qu'on invente avec Kowai. Normalement, le prochain sera le Gohan Int. Peut-être qu'il sortira le lendemain de cette vidéo. On va essayer en tout cas. Mais voilà, le prochain c'est celui-là. Vous êtes au courant maintenant du prochain ZTUR qu'on va tester. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros on invente un perso en fait, tout simplement. Mais en sachant, on sait déjà qui va avoir un ZTUR. Donc le Gohan Ultimate, c'est sûr qu'il va en avoir un. On prend ces persos-là, on leur rajoute les stats comme si c'était des ZTUR. Et puis on les teste avec des passifs qu'on a inventés qui pourraient. Des améliorations. Hein, c'est pas assez. On reste cohérent dans notre démarche. C'est des trucs qui pourraient. Qui pourraient avoir lieu. Hop.
Alors toujours pas. Bon là on a un support mais on n'a pas de. On a un support mais on n'a pas de. On n'a pas le lien Fierce Battle. On n'a pas le lien Fierce Battle. Voilà, enfin. Ah ouais. Mais j'en ai. Franchement. Si vous pouvez faire des dégâts. Ah voilà. Vas-y, spé moi. Oh magnifique. Il m'a spé. Voilà. C'est dommage qu'on ait pas le sel là. C'est clairement dommage. J'aurais dû mettre le Wirus. Ouais mais Wirus faut qu'il sorte de la rotation. Alors tu vas pas te mettre une spé toi aussi non? D'accord, pas de spé. C'est toujours. Est-ce qu'on est en dessous de 80% d'HP? On a 245 000. Ah, boss est activé. On a le lien boss d'activer. Oh. Attendez, on a le lien boss d'activer normalement. Ouais, on a le lien boss d'activer. Ah, mais attendez. Ah, mais... Ouais, bon, on a le lien boss d'activer du coup, mais le passif de Kidbu ne s'active pas parce qu'on est au-dessus de... On est en dessous des 80%, donc on peut pas... On active soit l'un, soit l'autre, c'est pas possible d'activer les deux. J'avais oublié ces petites... Voilà, ce petit truc, tout ça. Mais, alors, pourquoi c'est bien? Parce que là, le support... Donc, on n'a pas l'aptitude de support du Kidbu. C'est-à-dire que là, c'est les dégâts réels sans support qu'il va faire. C'est les dégâts réels. Là, on a juste tous les liens d'activer, en fait. On a juste tous les liens d'activer. 2008 de valeur d'attaque. Et bim, 2008 qui tombe. 2008 qui tombe. Voilà, on a le petit Kidbu qui fait quand même du 361 000 avec... je sais pas son arbre. Je crois qu'il a un arbre gratuit. Même pas. Enfin, voilà quoi. Donc on va terminer sur le Dokkan Mode. On va terminer sur le petit Dokkan Mode qui va faire plaisir, qui va arracher pas mal. Donc on n'a pas l'avantage du type ici. Bon c'est la pire rotation du monde par contre. Par contre c'est la pire rotation du monde. Bon pour compenser le passif, pour compenser parce que là on n'a pas le lien Fierce Battle donc combat acharné d'activer. On va avoir pas mal de sphères de ki. Donc sphères de ki on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, j'ai oublié j'ai omis quelque chose, c'est que les sphères de ki arc-en-ciel coûtent, boostent moins que les sphères de ki normales. Voilà. C'est dans le jeu, c'est fait comme ça. 341 000 de valeur d'attaque, 187 000. Vas-y, on met le présentateur, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien taper fort. On va rajouter le présentateur pour le Dokkan Mode. De toute façon, c'est un Dokkan Mode, les gars. Donc, le but, c'est de taper le plus fort possible pour faire waouh, les dégâts incroyables. En tout cas, frérot, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner, ça fait plaisir. Activer les notifs, on est souvent en live. Et j'ai réussi le Dokkan Mode, on est souvent en live. Donc, voilà, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, on est de plus en plus nombreux. Et moi, ça me donne de plus en plus envie de faire des vidéos, travailler, etc. Donc, voilà, n'hésite pas. Et d'en sortir de plus en plus. C'est vrai que je carbure en ce moment. Du coup, là, on tombe sur. Du 12 millions, on se quitte sur du 12 millions les frérots. Portez-vous bien, plein de bisous à vous. Ciao ciao.